Salut tout le monde, nous voici sur Keep Talking and Nobody Explodes. Un jeu qui m'a été conseillé par Boualt, qui est un jeu en multijoueur. Putain, il s'est pas une merde, chier. Ça commence bien. Et ce jeu, je vais vous raconter comment ça fonctionne. Alors ce jeu est un local multijoueur ou multijoueur tout court, sur Skype. Le but du jeu, c'est que je suis le type qui va se faire exploser. Ouais, c'est très rassurant, Walt. Le type qui va arrêter la bombe. Et j'aurai besoin de mes amis. Enfin, il va pas m'aider, c'est sûr. Si. Et Boualt sera l'expert. Pourquoi il dit l'expert? Putain, merde. Qui a le manuel de désamorçage de la bombe. Voilà. Et le but, c'est que moi, j'ai pas le droit de regarder le manuel. Et lui, il a pas le droit de voir ma bombe. Du voilà. Coup, je vais jouer solo. Et je suis en Skype avec lui. C'est clair? Oui. Ça veut dire que si on se rate à peine, ça veut dire que t'as droit à 3 fautes. Enfin, à 2 fautes et après t'exploses. Mais ça veut dire merde. Que si on se rate, c'est. Mais bon, t'inquiète, alors, tu m'envoies le code. Je me suis entraîné plein de fois, t'inquiète. Si tu réussis pas les 3 premières bombes, c'est qu'il y a vraiment un problème. Oh merde. Bon, c'est quoi le code? 241. 241? Voilà. Ok. Donc, les gens, si vous voulez le site du crack, ben, je le passerai à Éclair comme ça. 5 petites minutes. Oui, parce que je ne vois pas l'intérêt de payer, franchement, 10 ou 20 euros pour un jeu qu'on peut faire en une seule vidéo. Ouais, je peux regarder en haut à droite et à gauche. Ah, il faut que j'ai l'Oculus Rift. Non, t'as pas besoin de l'avoir. Ouais, ça serait trop stylé. Que le mec. Alors voilà la bombe. Select the bomb table and pick up. Ok. Éclair. Oui. Avant, l'Oculus Rift coûtait 300 euros, maintenant il coûte 700 euros. Oh, ou 6900, je sais pas. Il y en a qui disent. Au pire, moi j'ai envie de dire, t'essayes de négocier avec quelqu'un qui l'a déjà et qui veut le vendre. Si c'est ton ami, il te le fait gratos. Attends, ça c'est le tutoriel. Bah oui. Attends, rotate, inspect. Ah, d'accord, je peux complètement le tourner. Et je peux le désélectionner. Putain, va y avoir beaucoup de bombes! Bah, y'en a plein, oui. Chapitre. Bon, je suis prêt! I'm ready to. Ok, alors. Bombe. The first bomb. Voilà, c'est la toute première, donc ça doit être facile. Everybody has to start somewhere. Tout le monde a le droit d'essayer quelque part. On espère juste que ça se terminera pas maintenant. Make sure you expert have the manual and ready to help. Ok, t'es prêt à m'aider? Ouais. J'appuie sur ouais. Start. Vas-y. Putain, je stresse déjà. Oh mon dieu. J'ai 5 minutes pour la défendre. Ouais, oui. Comment je fais? Bah, t'as juste à me dire, par exemple, comment il y a des fils. Il y a un côté avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils. Ouais. Un côté avec un bouton. Non, mais les autres, on s'en fout. Donc, oui. On va commencer par les 6 fils. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un fil jaune? Il y a deux fils jaunes. Ok. Est-ce qu'il y a... Bon, du coup... est-ce qu'il y a un fil rouge? Oui. Coupe le quatrième fil. Le quatrième fil? Oui. 1, 2, 3, 4. C'est le bleu. La coupe. Ouh, ça marchait. Je sais, c'est moi ton coéquipier. Hein. Bon, gros, il reste 4 minutes. Oui, t'inquiète pas. Vas-y, suivant. Donc, il y avait un bouton. Il y a un endroit avec un bouton, il y a detonate. Alors, c'est marqué detonate, ok. Est-ce qu'il y a plus d'une pile sur la bombe? Il y a quoi? Est-ce qu'il y a plus d'une pile sur la bombe? Une pile? Je vois pas de pile. Il y en a pas? Non. Enfin, t'as juste à faire clé droit et tourner. S'il y a pas de pile, et bah t'es dans la merde. Ouais, bah non, il y a pas de pile. Ah, je vois les piles. 1, 2, 3, 4. Ah, il y a trop de piles. Ok, non, c'est bon. Retourne sur le bouton. Oui. Tu appuies et tu relâches immédiatement. Et relais Jean, désolé, je n'ai plus d'espace sur le disque dur. Ça s'est arrêté au dernier moment. Vous vous en doutez de ce qui s'est passé? Eh ben, elle a explosé. Dommage. Non, on a réussi. Cette fois-ci, on va essayer de refaire une bombe vite fait. Non, on a perdu. Ok. Non, on a réussi. Ok, bon, bah, t'es prêt pour la section 2? Moi, je suis toujours prêt.
Ok, 2-1, c'est parti. C'est comment le manuel? J'ai envie de savoir. C'est chelou. Ok. Bon, il est 22h09 et j'ai 5 minutes. J'ai qu'une seule bombe. Alors, il y a encore un côté avec des fils, un autre côté avec des fils et un côté avec un code à rentrer, on dirait. Ok, on va commencer par les fils. Donc, il y a combien de fils? Alors, il y a un côté avec des fils avec 1, 2, 3, 6 fils. Ok, 1, 2, 3, 6 fils. Okay. Est-ce qu'il y a un fil jaune? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a exactement un seul fil jaune? Oui. Est-ce qu'il y a plus d'un fil blanc? Bah, il y a deux fils blancs dans les deux côtés. What? Il y a un En fil gros, il y a deux. noir, deux fils blancs, deux fils bleus et un fil jaune. Ok, coupe le quatrième fil. Ok, c'est fait. Non, mais moi je te dis coupe. Et pour les autres? Ah bah, tu me redis Il y a un pareil. fil bleu, un fil noir, deux fils blancs et un fil jaune. Il y en a cinq. Ok. Est-ce que le dernier fil, c'est le noir? Non. Ok. Est-ce qu'il y a. Ex bon, tu y a pas de rouge. Coupe le premier fil. Ok, ça a marché. Maintenant le code avec 1 sur l'écran et comme clavier 2, 1, 3, 4. Ah oui! Alors, si tu dois, retiens bien, par contre. Oui. Parce que le jeu s'appelle justement à propos de memory, il s'appelle. T'en fais pas, je sais mémoriser. Il y a écrit quoi à l'écran? 2, 1, 3, 4. Non mais. Le gros chiffre en haut. 1. Appuie sur le bouton deuxième position. Ok. Donc retiens la position et le numéro. Hein. Ok. 1. Là, il y a 3. Appuie sur le bouton en première position. C'est toujours 1. Ok. Là, il y a 2. Appuie sur le bouton, il y a le même libellé qu'à l'étape 1. Donc le même bouton avec la même forme. Par exemple, si c'était 3, bah, tu rappuies sur 3. Si c'était 2, Ok, tu rappuies 1. sur 3. Ok. Il y a 3. Appuie sur le bouton à la même position qu'à l'étape 2. Oh putain, c'est 4. Ensuite, Là il y a maintenant, 1. est... Appuie sur le bouton, il y a le même libellé qu'à l'étape 1. Je crois que c'était 3. Tu Oh merde, j'ai raté. Allez, on recommence tout. Ok, on a 3. Bouton en troisième position. 4, ok. 4. Ah, pardon. Appuie sur le bouton à la même position qu'à l'étape 1. Bon, troisième Ok, position. 3. Encore? Putain. 4, 4, appuie c'est sur 4. le... Appuie sur le bouton portant le numéro 4. Ok. 2. Appuie sur le bouton en première position. Ok. Et le dernier, 4. Appuie sur le bouton, il y a le même libellé qu'à l'étape 3, donc c'est-à-dire le 4. Ça a marché! Wouhou! Alors on fait une dernière bombe et... Et on va voir si on réussit, ok? Le 2-2, double your money. Here comes the money. Attends, après on fait une dernière bombe, tu vas comprendre pourquoi c'est dur. Ok. Ok. 5 minutes la bombe, alors. Oh putain. Vas-y. Il y a un côté avec des fils. Avec deux fils noirs et deux fils blancs. Il y a 4 fils, c'est tout. Deux fils noirs, deux fils blancs, ok. Deux fils noirs, deux fils blancs, deux fils noirs, deux fils blancs. Bah, coupe le deuxième. Ok, c'est fait. Il y a un bouton avec detonate. Ouais. Est-ce qu'il y a plus d'une pile sur la bombe? Il y a deux petites piles sur la bombe. Ah bah, appuie, relâche immédiatement. Ok. Il y a un bouton presse, un bouton blanc, presse. Si le bouton est blanc, est-ce qu'il y a un indicateur allumé avec la mention CAR? Un indicateur, il y a un truc qui s'appelle Bob. Oui, CAR.
Ok, appuie sur le bouton, maintiens-le enfoncé. Et tu me dis ce qui s'allume Il y a à une côté. lumière blanche qui s'allume. Relâche lorsque le compte à rebours affiche un 1 à n'importe quelle position. Ok. 3, 2, 1. Ok, c'est bon. Il y a un clavier avec des trucs bizarres encore. Le tout premier, c'est un point d'interrogation à l'envers. Le deuxième, c'est un 9 à l'envers. On n'a pas le temps, Jean-Michel. C'est bon, c'est un point d'interrogation. À l'envers. Un 6. Un 6. Un smiley. Et un P. Ouais. Oui, un P à l'envers. Une note de musique, oui, on dirait. Une note de musique, quoi. Voilà. Donc tu vas faire 6. Oui. Par contre, là, je sais pas. Enfin, note de musique. Oui. Smiley et point d'interrogation. Non, c'est pas smiley. Point d'interrogation. Et bah alors, smiley. C'est point d'interrogation. Voilà. Bon. C'est pareil, de toute façon. Oh non, il y a un autre où, avec étoile. Point d'interrogation à l'envers. C avec un point au milieu et un Q avec. Avec le trait du milieu, quoi. Oh, y'en a pas le temps! Ce que tu as dit, je n'ai rien compris. Donc vas-y, recommence. Alors il y a étoile. Pleine ou pas? Non. Étoile vide. Bah, attends, je la cherche. Elle est là. Point d'interrogation à l'envers. Ouais. Un Q. Ouais. Et un C avec un point. À l'envers ou pas? Bah oui, c'est à l'envers. Ok, donc fesse. Merde. Oui. C'est à l'envers. Oui. Étoile et signe. Ok. Ensuite, il y a un truc avec des fils. 6 fils. Ouais. Ouais. Avec 2 rouges, 2 blancs, 1 bleu et 1 noir. Non, mais je retiens pas quand tu dis ça. Il n'y a pas de fil jaune? Non. Il n'y a pas de fil rouge? Non. Si. Couple le quatrième alors. Couple le quatrième. Quatrième. Non, ça n'a pas marché! Bah t'as coupé le cinquième ou quoi? Non, j'ai coupé le quatrième. Tu m'as dit qu'il y avait combien de fils en fait? Il y en a 6. Bah oui, bah il fallait couper le quatrième puisque tu m'as dit qu'il n'y a pas de fil rouge. Si, il y a des fils rouges. Bah si, mais tu sais, bah justement il y a des fils rouges, j'ai dit. Tu m'as dit qu'il y avait pas de fil jaune. Il y a pas de fil jaune. Il y a des fils rouges, voilà. Noir, blanc et ah, bleu. Ah merde, j'ai mal lu. Est-ce que le dernier chiffre du numéro de série est impair? J'ai pas compris. C'est un le dernier chiffre. J'ai pas coupé le troisième. Ouh. D'abord elle faisait juste c'est quoi. Elle était à combien? Elle était à 35,72, elle montait, elle descendait. What? Ok, bon bah t'en as fini. J'ai flippé. Mec, une fois la bombe, je l'ai arrêtée à 0,01. Oh mon dieu, c'était épique. T'imagines comment j'ai fait plus en mode. Oh mon dieu, c'était épique. Et une fois, je l'ai arrêté à 1 minute pile. Alors, je sais pas comment j'ai fait. C'était tellement épique. Et donc, pour la dernière bombe, je te propose. Normalement, tu as un petit carnet noir maintenant à côté, à ta gauche. Oui. Tu cliques dessus. Uh-huh. Et tu mets tu mets 10 minutes comme le temps. Ok, 10 minutes. Et module. Module, tu en mets 5. Ça va chier. Y'a quoi ensuite? Midi. Mi quoi? Midi. Off ou on. Y'a écrit quoi? Y'a pas un truc genre écrit ouais si tu fais ça bah genre. Bah midi module cannot be disarmed but pose a recommend hasard. Les modules midi ne peuvent pas être désarmés mais ils ont un truc au hasard. Ok, non, t'as fait. Non. Ensuite, y'a quoi? Y'a hardcore. Une okay, seule non, faute non. Fait tout exploser. Ouais, bah justement, non. Ensuite, y'a quoi? Y'a rien, y'a start. Tu peux pas régler la puissance? Enfin, genre le temps. Enfin, pas le temps, mais la difficulté. Bah, c'est ça le module. Number of. Combien de modules sur la bombe? Bon, bah alors ça va, ça. Je peux en 7, mettre... hein. Je peux en mettre 11 au maximum. 7. Ouais, mais tu en mets que 7. Parce que toi t'es un fou. Ok. Et parce que j'en attends un très, très spécialement pour la fin de la vidéo. Ok, allez. Start. The screen is for your eyes only. You're not allowed to the bond man. You're in merde. Je suis ready. Vas-y. Ok.
Alors, on a un clavier avec des couleurs. Ouais, ça c'est facile, ça va. Et ça a cligné le Alors, rouge. oui, mais attends. Normalement, tu as un numéro de série. Et est-ce qu'il contient une voyelle? ATHMT2. Oui, A. Ok. Donc si le numéro de série contient une voyelle, donc tu m'as dit que c'est quoi qui s'allume le jaune? Le rouge. Ok. Appuie sur bleu. Ensuite, qu'est-ce qui s'allume? Le rouge et le vert. Ok, donc ça va faire bleu jaune. Ensuite. Il y a le rouge, le vert et le bleu qui s'allument. Bleu jaune rouge. Bleu, jaune, rouge. C'est bon. Ensuite, Il y a un qu'est-ce bouton qui. jaune avec presse. Ok. Le bouton. Non, non, non. Est-ce qu'il y a plus de 2 piles sur la bombe? Deux puces. Ah, la Deux lumière s'est piles. éteinte. Oui, c'est normal. Il y a Est-ce qu'il y a deux plus de piles, 2 piles? il y a juste deux piles sur la bombe. Ok. Et c'est tout, il n'y a pas d'indicateur allumé? Il y a un indicateur allumé, oui. Et est-ce qu'il y a marqué FRK? FRK. Un indicateur allumé avec FRK. Ah non, il n'y a pas d'indicateur allumé, qu'est-ce que je raconte? Ok. Et il est jaune le bouton? Oui, il est jaune. Appuie sur le bouton, maintiens-le enfoncé, tu me dis ce qui s'affiche comme Lumière couleur. blanche. Bah relâche quand il y a le compte à rebours affiche un 1 à n'importe quelle position. Pourquoi ça fait bip bip bip? J'entends un bip, ça fait 16. Fais clic de Il y a un bip. truc derrière qui clignote avec des mégahertz. Oh no. Quoi? Oh no. Quoi? Oh there. Mary Chauval. Au secours. C'est le code Morse. En gros, tu vas me dire, par exemple, court, court, long pour les trucs qui s'allument, mais moi, à chaque fois, je vais te dire un mot, en fait. Et Il tu est vas où le régler code sur une Morse? fréquence spéciale. Ah oui, Donc, vas-y. ok. Donc, tu me dises, par exemple, court, long, 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 ou court, court, Ah, le Morse, court, c'est le maths. bruit qu'il m'a donné? Oui. Merde, il refait plus. Pourquoi? Il fait plus le bruit. Qu'est-ce que je fais? Non, mais pas de bruit, il faut pas de bruit, mais juste quand tu clignotes. Ah, Quand ok, il clignote, alors ça doit venir. attends. Lent, court, court, court. Lent. Non, mais y a pas long, court, court, court. Tu dois juste dire court, long, c'est tout. Ok. Alors, lent. Court, 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 lent. Non mais parce Non, que mais y a pas long. Y a pas long. Non mais, attends, parce Court, que long. ça clignote longtemps et après ça fait des flashs. Long, court, court, court. Ah bah oui, bah faut le dire. Donc, il y a un B et un K. Un B et un K, un B et un K. Et on a plein! Oh putain, mais vas-y! Essaye, essaye. 3.575. 575. Eh mec, il y en a tout. C'est Vas-y, pas essaye ça! encore. Et bah alors, essaye 3.300. J'ai dit quoi déjà? Avant. 575. Ok, bah là c'est 3.572 alors. Voilà, c'est trop facile. C'est pas ça! Et ben explose! S'il te plaît, non, il reste 5 minutes! Et ben moi, tu sais ce que je te dis. Moi, ce que j'ai fait une fois, c'est genre j'appuie sur les flèches au hasard. Et quand mon pote il m'a dit stop, j'ai arrêté, c'était ça comme par hasard. Alors je sais pas comment j'ai fait. Hein? C'était le truc le plus chiant du monde. Donc, je vais te dire. Non mais franchement je savais pas parce qu'il y avait tu m'as dit qu'il y avait un B et un K enfin du coup tu m'as fait et attends tu m'as dit quoi qu'il y avait c'était long court 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 quoi. Aïe aïe aïe. En fait il y avait pas long court court Mais moi ça clignotait, ça faisait long court court court. long court 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 bah oui mais long court 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 ça fait un B il y a plein de B ensuite j'ai vu qu'il y avait tu m'as fait long court long qui donne un K et il y avait que break et brick avec B et Attends, K. what? Est-ce que ça devait transmettre plusieurs mots par clignotant? Bah oui. Merde, je pensais que ça transmettait le même mot. Ah bah merde. Moi je m'y connais pas en Morse. Non mais en fait moi j'ai le manuel et je sais qu'est-ce qu'il faut appuyer en fait. Bon bah c'était cool hein.
Voilà. Je crois qu'on va arrêter attends, la vidéo là. Attends, juste 2 secondes. Enfin, quand tu auras fini la vidéo, je vais te passer le manuel. Et au montage, je veux que tu mettes un seul pour qu'ils comprennent bien à quel point c'est difficile. Ok. Je vais te dire lequel tu dois mettre, mais tu vas être en mode. Ok. Non mais. D'accord. Ok. Bon bah. Ah ouais, alors, à ceci dit, salut. Je peux dire mon mot? Oui. Bah je sais plus parce que c'est en japonais donc je sais plus donc je vais juste dire chalut. Chalut.